fatigué de cuisiner, tu as la flemme, tu veux gagner du temps et te reposer, ben, je te propose trois idées de sandwich à petit budget et que tu peux réaliser en 5 minutes. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Valia, j'espère que tu vas bien. Moi, je veux bien. Aujourd'hui, je te présente mes trois idées de sandwich que je réalise souvent lorsque je n'ai pas envie de cuisiner. Donc, je vais diviser cette très délicieuse baguette en trois. Et la première idée, je pars sur une base mayonnaise, mayo, ensuite emmental, une fois que j'ai garni de l'emmental, je viens ajouter de la tomate, de la salade iceberg. Vous pouvez utiliser la salade que vous adorez, moi j'adore l'iceberg, et ensuite du salami. Moi, j'aime pas trop les salamis. Les salamis, c'est plutôt les enfants qui adorent ça. Donc, pour ces sandwichs, je vais les chauffer dans le grill juste 1 minute. Et ensuite, ça sera prêt à être dégusté. Voilà. Ça donne envie. Yummy, yummy, yummy. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. Donc ça donne ça, bon appétit. Et on passe à la deuxième idée du thon au naturel. Le thon mayo, c'est aussi délicieux. J'adore ça. Donc la quantité de la mayo dans le thon dépend vraiment de la quantité que vous avez du thon. Certaines personnes aiment moins la mayo, d'autres plus de mayo. Donc ça dépend de vous. Comment j'ai utilisé une boîte. Je vous mettrai des proportions en description. Et ensuite, je vais utiliser du cheddar. Donc, faites avec le fromage que vous adorez. Bienvenue à toi qui s'est abonné sur la chaîne. Merci pour la confiance. Et pour toi qui hésites encore, eh ben, rejoins la famille et enclenche la cloche de notification pour ne pas manquer de vidéos lorsque je publie. Voilà. Donc, je vais utiliser également la tomate, mais cette fois-ci, pas de salade. Je trouve que c'est pas très 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 bon d'ajouter de la salade, mais sinon vous pouvez l'ajouter. Donc la dernière idée, c'est l'avocat surimi crabe. Alors cette idée-là, moi je vous la recommande. Elle est vraiment, c'est le mariage de ces deux-là. Ouh, c'est une pépite, c'est trop 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 bon. Alors je signale que dans tous les sandwichs, si vous aimez les cornichons, vous pouvez ajouter du cornichon, le maïs, vous pouvez ajouter les concombres, vous pouvez ajouter vraiment tout ce que vous voulez, comme vous voulez, comme vous voulez. Donc celui-là, c'est le mien, ces sandwichs-là, je précise, c'est vraiment le mien, ça va dans mon ventre. Donc, je vais ajouter la mayo à mon surimi. Donc, les enfants n'ont pas beaucoup aimé surimi mayo et pourtant, c'est un délice. C'est un délice. Donc, je viens travailler mon sandwich avec un bon verre du jus d'orange. Eh bien, c'est fini pour vous, hein. C'est fini après l'avoir mangé. Vous vous allongez sur votre canapé et vous reparlerez de la cuisine demain matin. Donc, je mets l'avocat. Cette fois-ci, je n'ai pas mis la tomate parce que ça ne matche pas bien, la tomate et l'avocat ainsi que le surimi. C'est pas bon, mais par contre, rien qu'avec la salade, c'est super, super délicieux. Donc, j'espère que mes idées vous auront aidé. Si c'est le cas, likez la vidéo, la famille, et partagez-la. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir. Donc, je vous dis au revoir et on se revoit à la prochaine vidéo. Merci.